www.patreon.com. Meine Stimmung verzieht mich schlecht. Kam mit meiner Welt. www.patreon.com. Nicht so recht. Nicht so recht. Und das Unbekannte stand plötzlich vor mir. Bon, bah écoute, hein, Seigneur, j'espère que j'aurai des bonnes récoltes. Hein. Je glisse sous le banc un billet de 50 euros et puis tu me donnes des bonnes récoltes. Hein. Hein. Oh. Ah, salut les amis, bah, j'étais en train de prier pour avoir des bonnes récoltes. J'espère que vous allez bien, on est en début de semaine. On se retrouve, ben, comme promis, sur ma petite Valaisie. Alors, on est lundi, quand je tourne la vidéo, je vous mettrai un petit post. La vidéo sort mardi. Et cette semaine, ben, j'ai décidé de vous mettre le retour de ma petite Valaisie. Oh, c'est pas là que je voulais aller. En tout cas, merci pour tous les retours de la semaine passée. J'ai pas pu répondre à tous vos commentaires. Je voudrais juste régler sur le dernier commentaire qu'il y a eu sur jeudi. T'inquiète pas, ils m'ont pas laissé tomber mes deux fistons, Jérémy, que je salue et Céd aussi. Je salue également toute la Farming Family. C'est que le mercredi, ils tournent, je suis invité, mais j'ai pas le temps le soir, je suis assez fatigué. Ah, il faut savoir, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai une maladie, je suis en pleine formation, je travaille toute la journée. J'ai plus trop l'habitude, hein, j'étais 4 ans à pas travailler, donc voilà. Mais vous inquiétez pas, vous avez apprécié déjà le retour que je venais le dimanche. Je sais qu'ils ont passé un super week-end, je crois que c'était à la foire agricole. Ah ouais, en tout cas, t'inquiète pas, c'est comme ça. Voilà. Donc, comme je vous en avais parlé, j'ai enlevé le mode saison parce qu'on m'a demandé, hein, le retour de ma petite Valaisie. Je suis toujours sur la map. Les cochons, bah, regardez, ils vont bien. Or, j'ai du boulot, hein. Du reste, il faudra bientôt que je les nettoie. Les cochons, bah, il faudra bientôt que j'aille chercher de la nourriture parce qu'ils en ont plus beaucoup. Mais par contre, j'ai des champs et il faut que j'aille mettre l'herbicide parce que ces mauvaises herbes, ben, ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Je vais arriver. Ouais. Voilà. Donc, j'ai un ou deux champs que je vais passer ça. On va faire ça, traiter ces champs. J'ai fertilisé. Là, il y a un champ qui est bien le tout grand aussi. Il pousse, comme vous pouvez le constater. Ça va super. Donc, on va aller faire ça. Par contre, si on a le temps, j'irai chercher de la bouffe pour les cochons parce que bah, j'ai rien, j'ai pas de blé, j'ai rien de récolte dans les silos, donc il faut que j'achète de la bouffe à cochons parce que bon, normalement j'ai plus le mode saison, ils vont pas crever, mais faut quand même les nourrir ces petits gorées et comme ça on verra. Et dans le prochain épisode qui sera jeudi. Comme ça, on décide. J'ai décidé une semaine, bah, je fais la petite Valaisie. Une semaine, bah, la série qui vous plaît bien, Pépé Valaisan. Hein, là, il y a le mode saison. Et puis, c'est pas plus mal que ça. Moi, je vais tourner là. Parce que je crois que c'est ce champ ici que je dois mettre. Ouais, vous voyez qu'il y a de la mauvaise herbe. Je l'ai semé. On va se mettre en vue extérieure. Moi, j'aime bien être en vue extérieure, voir ce que je fais. On va déplier. Et l'autre champ, il est, je crois, juste là à côté. Ouais.
Donc on va traiter comme ça ces champs. On va faire attention à l'arbre. On va monter un petit peu. Voilà. Et normalement, c'est parti mon kiki. Voilà. Est-ce que ça va tout prendre? Ouais, c'est bon. C'est tout bon. Donc j'espère que j'en aurai assez. Si jamais, de toute façon, je suis à côté de l'autre ferme, que par la suite, on verra si on l'achètera cette ferme. Pour l'instant, ben, j'ai quand même un gros crédit, hein, ce qui est un peu normal. Et il faut savoir qu'on verra pour le début des moissons qui vont pas tarder. Hein, pas tarder, parce qu'on regardera ça à la fin de la vidéo, si j'ai le temps. Qui vont pas tarder. Je vais peut-être lever encore un petit peu. Voilà. Dans le prochain épisode, ou même peut-être à la fin, avant d'aller chercher de la bouffe à cochon, je ferai peut-être mon côté. On va aller faucher le champ qui est juste là, parce qu'il faut que je fasse de l'herbe pour les moutons. Rappelez-vous, j'ai des moutons et bah, j'ai plus rien, j'ai plus de balles. Donc de l'eau ils ont, mais j'ai plus rien à leur donner à manger, et ils vont crier famine bientôt. Voilà. Donc on va traiter ces champs. Il m'en reste pas beaucoup à traiter. Je pense qu'il y a celui-là et puis celui là-bas derrière, sauf erreur. Ou peut-être est-ce qu'il a à moi celui d'en face? Ah ouais, il y a peut-être celui le 26, mais ça je le ferai peut-être mon côté, parce que j'ai pas beaucoup de. Il faudra que j'achète. Vous voyez, il me reste 86 000 euros. Ça coûte cher le fertilisant. Alors, je remplis ici à la ferme. Je le paye que ce soit un big bag ou pas. Voilà. Mais c'est les derniers champs que j'ai semés. Et automatiquement, j'ai eu la mauvaise herbe qui est arrivée. Donc je pense dans cet épisode, on va aller traiter ces champs. Et si on a le temps, à la fin, on ira soit chercher de la bouffe pour les cochons qui est pas très loin. Il faut que je retourne à la ferme. Du reste, je dois avoir le Deutz Torpedo, mon fidèle, qui est croché à la remorque. Donc je vais aller chercher ça. On fera peut-être des big bags prochainement, peut-être dans la semaine d'après la série Pépé Valaisan. À la limite, faire des big bags, ça peut être intéressant. C'est une autre activité. Hop, on va couper. Si j'aurai assez pour faire tout le champ, surtout que le 26 là il est immense, et on aura de la récolte, hein. Je peux vous dire, j'ai bien traité les champs, quoi qu'il y a celui-là qu'il faut encore que je traite. Il y a pas mal de champs encore à traiter et à espérer. C'est pour ça que j'étais en train de faire une prière, donner 50 euros à la communauté de l'église. C'est les conneries du Valaisan toujours, hein, voilà. Mais en tout cas, je vais super bien, vous inquiétez pas. C'est seulement, j'ai pas eu le temps de tourner ce week-end, donc je tourne lundi. Et ça va très bien. J'espère pouvoir tourner directement à la suite. Attention, il y a le poteau là. Pas aller couper le téléphone ou l'électricité au voisin. Mais on va essayer de faire plusieurs activités. Mais après, peut-être que moi, je ferai mon côté des deux autres champs. On va peut-être aller chercher de la bouffe à cochon, parce qu'il faut vraiment qu'ils aient de la bouffe. On regardera ça quand j'aurai fini le champ. On va regarder ça où ils en sont. Ou alors faucher puis ramasser direct. Mais on fera des balles. Hein. On va faire des balles pour les moutons. Et par la suite, vu que j'ai enlevé le mode saison, on pourra mettre les vaches. Mais ça, il faut de la paille. Alors, je veux pas en acheter, parce que, comme je dis, hein, j'ai déjà un gros crédit et il faudra le rembourser. Donc, j'ai pas envie que toute ma récolte passe au remboursement à la banque. Voilà. Bon, ça se passe pas trop mal. Je suis avec mon Bertou, là. Vous avez vu que ce week-end, j'ai eu le temps de vous mettre. On m'avait demandé la faucheuse que j'ai dans Pépé Valaisan. Et le HR aussi. Vous êtes encore nombreux, hein. Tous les jours, j'ai pratiquement des demandes d'inscription sur mon site. Vous êtes plus de, je sais plus combien de membres. Hein. Si j'y pense, je vous dirai combien on est de membres. Mais il y a plus de. Bientôt, on arrive à 30 000 visites.
Mais c'est déjà pas mal, en tout cas, merci à vous. Alors, c'est vrai que je suis pas trop actif, je mets pas comme les autres sites, dès qu'ils sortent un mode sur le mode up officiel, je vais pas mettre le mode directement sur mon site, hein. Je mets ce qui est intéressant. Voilà, voilà, regardez, ça se passe bien. Il faut bien traiter ces champs, cette fichue mauvaise herbe, ben voilà. Mais j'espère avoir vraiment que ma prière a été entendue. S'il faut, ce soir, je vais remettre 50 euros sous le banc. Bon, j'espère que c'est pas le clochard du coin qui vient les piquer, mais bon, on verra. Oh, peut-être pour la première saison. Bon, note bien que je dis saison, mais j'ai enlevé le mot de saison. Mais, peut-être qu'on n'aura peut-être pas les moyens d'acheter, que je refaire un crédit pour acheter des vaches. Mais le but, ben, ça sera de rembourser le crédit et de voir d'acheter la ferme qui est ici derrière. Et peut-être par la suite les autres fermes, on verra. On verra tout ça, les amis. En tout cas, ben, c'est un peu bizarre, hein, la météo. Je sais pas, ben, par chez vous. Mais bon, ben, nous, aujourd'hui, où je travaillais, il faisait 17 degrés en pleine. C'est incroyable. Et par contre, pour demain, ben, on fait yo-yo. Et on va redescendre à 2 ou 3 degrés. Parce qu'ils annoncent la neige chez moi. Il y aura peut-être... au mois de mai, en tout cas peut-être début mai ou mi-mai, je vais déménager dans une autre vallée, hein, parce que je me rapproche de mon travail. Donc je quitte la maison familiale pour rentrer dans une autre maison. Donc il y aura peut-être, mais ça je vous serai averti, hein, ça c'est clair. Ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas la chaîne, mais seulement ben, il y aura peut-être une petite pause là. Parce que ben voilà, je déménage dans une autre vallée et il y aura peut-être des vidéos IRL, parce que où je vais dans le coin là, ben, c'est très agricole dans l'autre vallée. Il faut savoir que moi je suis en montagne. Il y a une autre vallée avant d'arriver en bas en plaine où je travaille. Et là c'est vraiment agricole quoi. En plus il y a une ferme qui est pas très loin où je vais habiter. Et là ça va être génial. Il suffit de sympathiser, mais vous savez qu'en Valaisie, on fait vite des connaissances et on peut vite sympathiser. Donc là en face, ben, je l'ai traité parce que je l'ai fait aussi de mon côté. Hein. Alors, je voulais tourner ce week-end ces épisodes pour cette semaine, ma petite Valaisie. Mais voilà, j'ai eu d'autres circonstances que ben, j'ai pas pu. Donc je vous fais ça. On verra si j'arrive à tourner... direct l'autre épisode de jeudi à la suite de celui-là. Comme je l'ai dit, on va les faucher, il me faut de l'herbe, il m'en faudra pour les vaches, donc ça prend du temps. Les vaches, ben, ça sera peut-être pas avant la semaine d'après, quoi, pas la semaine qui vient, mais celle d'après. Comme je veux faire la série Pépé Valaisan une semaine, puis ma petite Valaisie. Et je pense que c'est pas trop mal. Dites-le moi dans les commentaires, du reste vous étiez assez nombreux à me dire oui t'as raison, enlève le mode saison sur une des séries, et c'est vrai que ça va être plus facile pour moi d'avancer sur une des séries. Voilà. Bon, je sais plus à quel épisode je suis, à celle-là, mais en tout cas j'ai pas lâché l'affaire, quoi. Parce que j'aime toujours autant cette map. On fera peut-être une fois de temps en temps, quand j'ai le temps, un dimanche ou un samedi, un live, parce que en tant que supporter de LS Company, j'ai la map, la Hofbermann en bêta, la nouvelle version, hein. Je vous rappelle qu'il y a une nouvelle version, c'est la 1.0.0.6 qui est sortie. Bon, je sais pas si elle est pour tout le monde, mais normalement, d'après les messages qui marquaient dans le forum, elle était normalement que pour les supporters. On pouvait aller dire, c'est vrai que normalement elle va sortir, mais c'est plus long, comme il le dit Andy, le créateur. Bon, il n'est pas tout seul, mais il dit que sur FS19, ben, c'est plus compliqué à modifier des choses. Et puis je peux vous dire qu'ils ont rajouté des choses encore plus belles. Alors ça, peut-être qu'on verra quand j'aurai le temps de faire peut-être un petit live
Il faut aussi que je gère aussi la farming family. C'est vrai que ces temps-ci, ben, on a de la peine à se faire des lives, tout ça. Mais bon, pensez-vous bien qu'avec le métier que je fais, je suis toute la journée avec des PC. Hein, je ne travaille pas qu'avec un ordinateur. Le soir, quand je rentre, que j'arrive vers 18h, j'ai pas trop envie d'allumer un PC pour. Même que je vous aime bien. J'en suis désolé, mais bon, voilà. C'est la vie d'IRL. Hein, il y a une vie à côté de YouTube, je le répète assez souvent. Mais c'est comme ça. Voilà. Mais on essayera de faire des choses. On verra. Donc, on arrive au bout. Hein. Ouais, il ne me reste pas beaucoup. Je pense que. On va laisser. Je vais aller charger là, la ferme, acheter un peu de herbicide chez le voisin. Et je vais pas faire que ça. On va aller chercher de la bouffe à cochon. J'espère que j'aurai assez de sous pour en acheter une remorque au moins. On va regarder où ils en sont. Et peut-être qu'on commencera à faucher. Comme ça, dans le prochain épisode, jeudi. On fera les balles et puis on amenait un peu. Alors je sais pas si il y a plusieurs champs. J'ai un grand champ qui est pas loin de la ferme à faire aussi, qui est pas loin du BGA. Alors j'avais dit normalement que je gardais cette herbe pour mettre au BGA parce que ça peut rapporter gros, on verra. Mais vu que je veux prendre les vaches, il faudra bien du foin et oula, oula, J'ai failli descendre le téléphone ou l'électricité, je sais pas. Ce qu'on va faire, les amis, on va les charger. Hop, on va finir ça tranquillou. Comme ça, celui-là, il est fait. Il faudra peut-être que je le traite. On va descendre du tracteur pour voir. Mais normalement, après, voilà. On va plier ça du temps que ça se plie. Ah non, je suis à 100% ici. Hop. On va les charger parce que là-bas il est grand et il y a encore celui-là à côté. Alors je vais pas tarder parce que vu qu'il faut bien que ça pousse. Oups. Je sais plus si j'ai mis ce tracteur sur. Oups. Alors là, le réservoir à l'avant il est plein. Hop, voilà. À combien, mais normalement ça me coûte pas trop cher ici à la ferme chez le voisin. Alors, voilà ça. Et puis ce qu'on va faire, on va peut-être le laisser là. Le voisin il va pas m'embêter, je le connais bien. On boit l'apéro ensemble. On va pas m'embêter si je laisse le tracteur ici. On va aller chercher la remorque, puis vite aller chercher un peu de nourriture pour les cochons. Je veux pas acheter de balles d'herbe ou de foin pour les moutons parce que vu que j'ai des prés qui sont prêts. Combien? Ouais, ça va encore. Ça va encore. Allez, on va sauter dans celui-là. Regardez. J'ai la remorque qui est prête. Ah, il faut que je prenne des poules. Les œufs vont m'en rapporter aussi. Allez. On est parti, on va aller chercher de la bouffe. Ah, j'ai dit que je voulais regarder ça. Normalement, oups, ici, si on regarde des cochons, vous voyez que je suis très très bas. La propreté, bah, il faut que j'achète la brosse. Et les moutons, vous voyez que ça diminue aussi. Alors, j'ai de la laine qui commence à venir. Les moutons, bah, il faut attendre qu'ils grossissent pour que je puisse les vendre. On voit plus le poids maintenant que j'ai enlevé le mode saison. C'est vrai que les cochons, à part les vendre, voilà quoi. Hein. Mais bon, on va aller chercher de la bouffe. Alors j'ai préparé le gros classe pour aller faucher aussi. Bon, est-ce que peut-être qu'on n'irait pas faucher un peu et on fera le. Parce qu'il faut que j'ai pas d'endaineur, j'ai pas de faneur, donc c'est encore des frais. Mais bon, voilà, qui est agriculteur, ben, se dit, ben, il faut faire des crédits. Donc on empruntera encore un peu d'argent pour acheter ces deux outils. La faucheuse, ben, j'en ai déjà une, mais j'ai que l'avant, j'ai pas les moyens encore, à moins que. On verra ça, mais.
on va aller chercher de la bouffe, on reviendra donner à manger aux cochons, on se quittera là, et dans le prochain jeudi, on ira que moi de mon côté, je vais faire le champ qui est ici, et le grand champ là-bas, et vous voyez qu'il y a le champ ici d'herbe qui est prêt. Alors celle-là, on va le... Ah oui, puis encore la presse à acheter. Oh là 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 là. Je pense que je vais me ruiner. Je ne sais plus à combien. On regardera à la fin avant de se quitter combien j'ai de crédit. Parce que je vais commencer, que la banque va commencer à me serrer la vis. Mais... à voir. Vous pensez que si je veux des vaches, ben bon, déjà, il faut... mais c'est pas là que je voulais aller. Bon. C'est là-bas. Les silos, il y en a là-bas pour la bouffe à cochon. Alors, je me rappelle plus c'est quoi 8000 que j'ai dans la remorque. Je pense pas que ça va tout remplir, mais au moins espérer en arriver dans l'orange, mais ça m'étonnerait. Ouais, là le Valaisan, il faut rouler à droite, dépend d'Angleterre. Bon, c'est vrai que le Torpedo, bah, il roule à 35. Oh, peut-être qu'en le revendant, puis peut-être faire une autre acquisition avec peut-être le Deutz. Comme ça, j'ai le chargeur avant pour les balles. Ça peut être intéressant. Il y a aussi une remorque parce que j'ai le plateau à la ferme, mais j'arriverai pas à tout mettre. Voilà, on va se mettre en vue extérieure. Hop. On va enlever la bâche et la bouffe à cochon, c'est ici. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai plus que de l'engrais parce que j'ai tout semé mes champs. Donc automatiquement, bah, j'ai plus de... Je les ai nettoyés, ils sont rangés dans l'hangar, les semoirs. J'ai plus vraiment... Est-ce que ça remplit? Ouais. Et là, on va voir combien ça me coûte. Vivement, je commence à faire un peu de récolte pour avoir de la bouffe pour les cochons. Bon, ça va aussi me faire, mais il faut vraiment, j'ai planté du maïs pour faire un peu d'ensilage. Et je vous en dis pas plus, il y a une surprise là aussi. Ouais, c'était bien 8000. Il y a une surprise pour la bouffe à cochon, vous verrez ça plus tard dans la série. Voilà. Allez, on va rentrer à la ferme. On va rentrer à la ferme. Oh putain, qu'est-ce qu'ils ont foutu là? On va doubler hein. De nouveau le camion. Oh, j'espère que je peux passer. Ah ouais, c'est les deux là qui. Ouais. Est-ce que ça passe là? Ah, ça va passer. Ah non. Oh là 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 là. Bon, bah, de toute façon, vous allez être content. Tu vas pas me dire que j'arrive pas à passer là, hein? Allez, en forçant un petit peu, ça va passer les amis. Ah bah il y avait longtemps hein, que j'avais pas vu qu'ils étaient bloqués là. Oups, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Bah voilà, bah, le fail du Valaisan c'est fait. Non mais, ouais bah klaxon, oui d'accord. Vous n'avez pas besoin de vous planter au milieu de la route. Regardez, il y a encore des connards là qui arrivent. Il y a encore des connards qui arrivent et puis ils vont être bloqués. Ça bloque, hein, là. Fallait pas plus loin. Voilà, regardez. On va passer par là. On va donner ça au cochon. On va être tranquille. Comme ça, ils seront contents. Puis on va faucher. Bah, moi, le prochain épisode, je pense, jeudi, on va venir faucher ça ici. Peut-être que je faucherai de mon côté. Parce que j'ai aussi le tout grand là. Et puis bah, ça fera de l'herbe et qu'il faut vraiment en amener aux moutons. Peut-être aussi reprendre avant les vaches. Peut-être reprendre un peu plus de moutons. Pour qu'il, bah, déjà les poules. Alors peut-être que là, on va donner à bouffer aux cochons et on prendra des poules. Le problème qu'il y a, c'est que je n'ai pas de grains. Donc il faudra que j'achète des sacs nouveaux. On verra. On va voir ça, les amis.
On verra ça peut-être dans le prochain épisode. Je ne veux pas faire un grand épisode. Mais je pense qu'on fera pas mal de choses dans le jeudi. On verra si j'arrive à tourner ça à la suite de celui-là. Faut compter qu'il y a le montage, tout. Hein. C'est du boulot, c'est du boulot. Mais je prends encore du plaisir. Hein, vous dire que voilà, on est le soir. J'ai travaillé toute la journée. En plus, on avait une formation. Donc, j'ai travaillé toute la. Pourquoi moi je passe par là? Ah, bah, je pourrais passer par là-bas derrière. On a une formation avec la nouvelle machine numérique. Il vient toutes les 3 semaines vraiment pour nous faire les derniers réglages. Et donc, voilà, je peux vous dire que tout, depuis 7h30 ce matin, ben, je suis derrière des PC à écouter des choses, puis à faire des essais, tout. Ouais. Mais bon, c'est pas bien grave. En plus, ça me plaît. Donc, je vais pas me plaindre. On va faire côté déchargement là. Voilà. Allez, vous allez être contents. On va couper le moteur. Ouais. Et on va regarder ici. Regardez, ça monte. Ah, cette bouffe à cochon, je sais pas. Il faudra des patates et des. Ouais. Mais bon, j'ai pas. Voilà, ben, ils ont déjà ça. Peut-être que je referai un transport. Voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas, le pouce bleu, alors j'ai pas fait grand chose, j'ai fait un quoi, de l'herbicide, et puis aller chercher de la bouffe pour ces petits cochons à taches noires, là, ah, et j'en ai un noir, là, aussi, oui, bah arrêtez de gueuler, surtout toi, là-bas, Jérémy, et Céd, ok, allez, moi je vous souhaite un bon début de semaine, et puis on se retrouve jeudi, pour la suite, hein, moi je veux dire tout de bon. Et puis, bah, très vite. Salut les amis.